Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le troisième épisode, on est toujours sur Minecraft Dungeon. Là on est à côté du forgeron. Yay. Je vais échanger pièces d'équipement aléatoire. Oh, j'échange. Coûte d'écaille. Oula. J'ai terminé de fabriquer près de les côtés d'une immense mer et oh. Inspiré par les écailles de poisson. Réduit les dégâts de 35%, dégâts corps à corps 30%. Oh. Oh. J'ai des fossiles. Agiter des pieds. Pas le. Prenez-y, quand votre santé est inférieure à moitié, la vitesse d'attaque est augmentée. Rouler vous fait bouger plus rapidement pendant 3 secondes. Ah ! 31 de santé. Ah, j'hésite. Réduction des dégâts de 35%. Pas si je le veux. Dégâts au corps à corps de 30%. Soigne mais go en fait. Le plus blessé, vous y compris. 3 à 55 durant une seconde, ressemble le truc. Touché par des projectiles infligeant des dégâts créera parfois des. Oh, je me sers pas de la canne à pêche perso. Oh, c'est trop bien! Sur la côte des mailles, on peut avoir un enchantement qui fait que quand tu te récupères une flèche par un ennemi, ça t'as une chance que la flèche elle loot au sol et du coup tu peux la récupérer. Ah, c'est stylé ça! Une boule de neige, projette une boule de neige à un ennemi à proximité étourdissant. Par les guerriers, la côte de pieuvre nécessite une main ferme pendant le combat, étourdi. Ouais, gel ralentit les créatures après un coup pendant 3 secondes. Elle fait beaucoup de dégâts, mais ses spells sont pas ouf. Oh, quoique, étourdir c'est pas si mal. Ça fait plus de dégâts qu'une. Moi j'échange plein de trucs, hein, du coup, vu que j'ai des. Ouais, moi aussi j'ai tout fait, j'ai fait un oui. Enfin, j'ai tout pris. Et j'ai en train de tout refaire mon stuff, remettre et tout. Armure du loup. Oh. Arbalète lourde. Oh. Ah, ça y est, j'ai plus rien. Du coup, j'ai des fossiles, c'est une sorte de dague. Je sais pas ce que ça vaut, mais. Le chiffre en bas, on est d'accord que c'est les dégâts, hein. L'équipe contient une charge d'explosion avec des dégâts qui explosent une seconde après l'impact. Oui. Oh, c'est non. Trop... C'est le niveau, les dégâts, c'est quand tu cliques dessus, par exemple, ma barre d'accord. Dégâts corps à corps 29 à 43. Ah oui, entre temps en temps, ouais. Mon arbalète à dispersion, 17 x 3. J'ai une arbalète de foudre, qui est un truc unique, donc c'est assez rare. Mais ça fait moins de dégâts qu'une arc de chasse. Ah, je crois que ça va partir sur l'arc de chasse, du coup. Hein. Si jamais, j'ai eu un totem de régénération. Ouais, je l'ai aussi. Chashing, collecte un total de 1000 émeraudes. Ah. Ça, je prends. Ça, mon arc, je commence à l'avoir, là. Épine. Vous infligez des dégâts lorsque l'adversaire vous en inflige. Ah. Pourquoi il y a une chauve-souris? Pourquoi il y a une chauve-souris, là, qui traîne? Vos dégâts à distance sont les segmentés. Vous avez des armes où vous pouvez mettre deux enchantes, vous? Oui. En arme. On peut? Ah oui, maintenant, ouais, on ne s'est pas encore débloqué pour l'instant, je pense. Mon arbalète à. Ah oui, l'arbalète, oui, mais en arme corps à corps, je peux pas. J'ai deux enchantements. Ok. Elle va avoir une chance de 20% de créer une zone circulaire qui soigne tous les alliés qui s'y trouvent. Ah! Oh! Stylé. Supercharge, le tir chargé font plus de dégâts et entraîne plus de recul. Je préfère mon arc actuel. Recycler. Paf! De poison, non. Je garde toujours ma hache, hein. Ça c'est purement. Je l'aime bien cette hache. Alors lui il dit quoi? Nuage de poison. Enchantement, projectile inflige plus de dégâts aux ennemis enchantés, ouais. Quand je fais un nuage de poison qui inflige des dégâts aux ennemis dans une zone pendant 3 secondes. Non, ça me plaît pas, hein. Non. Désolé, je suis pas convaincu. Hein. Pas de nouveau côté. Qu'est-ce qu'il faut? Quel enfer. Qu'est-ce que. Voilà, c'est bon, il arrête de spammer le plus flèche. Ah bah bravo. C'est malin ça. Non. Ok. Ok, bon bah moi j'ai mon stuff. On se fait quoi du coup? On se fait canyon de cactus? Go. Let's go. On le met toujours en difficulté normale parce que je sens qu'on n'est pas... Yes.
On peut jouer jusqu'à combien? Il me semble que c'est jusqu'à 4, non? Dans une seule game. Je sais pas du tout. C'est de la coop à 4, il me semble, dans les slots d'amis. Et on commence après 5 minutes de stuff. L'archilajoie cherche à faire revivre des armées de morts. Et cela grâce à un pouvoir provenant d'un temple du désert, ancien et oublié. Trouver ce temple n'est cependant pas de tout repos. En effet, l'entrée se cache derrière quelque chose dans ce canyon. Un labyrinthe de créatures malveillantes et de secrets perdus. Oh, c'est la S, quoi. Yes. Oh, oh là là, imaginez, oh. Là, les Redstoners sont en sueur devant ça. Le bouton est un peu loin pour ouvrir la carte, je trouve, personnellement. Ah, il y a des émeraudes derrière, là. Ah, moi, j'appuie sur Tab, du coup. Et du coup, ouais, quand tu vas sur Tab, tu vois... Mais tu vois pas ce qui a été généré? Si, c'est plus blanc. Enfin, tu vois le contour plus blanc. Ah, ouais. Ah bah, c'est super. Fais ça, désormais. Merci du tips. Qu'est-ce que c'est que... Faut peut-être pas rester à... Ouais, c'était ça. Ça pique un peu. Ouais. Alors, comment on ramasse des âmes avec cette... amulette de je sais pas trop, je crois. On va voir ça. Nécessite des âmes. Amulette de machin. Plus 1. Le rassemblement des âmes. Ah, d'accord, c'est au fur et à mesure qu'on tue des gens, quoi. Ah, que kaboum! Ah, ouais, c'est ça, d'accord. J'étais heal là normalement. Je sais pas, j'ai pas regardé. Oh là là, on les marave! Ah ouais, je ramasse des âmes là. Ok. Du coup, avec les âmes, tu peux faire ton. Je peux heal les gens. Donc je pourrais. Je suis healer quoi. Ouais, t'inquiète pas, on l'a tous, je crois, cet item. Ah bah super. Toujours le dernier averti de ce genre de choses. Il y a un coffre là. En fait, ils servent à ça, peut-être les mobs. Je pense que les moutons ils pourraient nous aider. Oh. Oh, oh, oh. Bah, ils pourraient peut-être nous aider si personne les bute, quoi. Bah, moi, je les ai pas butés, là. Regarde ce que j'ai sur ma tête, Fanor. Deux TNT. Ouais. On peut les garder, en fait. On n'est pas obligé de les jeter. Il est stack. Ah, moi, je stack, là. Hein. Attention. On le jette les deux en même temps, par contre, c'est un peu dommage. Ah, ça fait des dégâts alliés. Ça fait bien des dégâts. C'était un test. C'était un test. Une douzaine T. Hop là. Aïe. Eh, c'est parce que faut pas les taper sinon ça les enclenche. Ok, d'accord. Ah, c'est moi que les flèches sont 4 fois plus grosses. Ouais, en fait elles grossissent plus elles vont loin. D'accord. Oula, ils ont. Il commence à avoir un petit peu de pop par là. Hein. À moi les âmes. Ah oui, je confirme, les TNT font des dégâts, ouais. On peut se TK, c'est marrant. Oh là là, ça fout le loot. Puf, puf, paf. Ah, on commence à avoir du bon stuff là quand même. Hein. Oh, le bébé zombie. C'est vrai qu'on meurt moins souvent. Ouais. Enfin. Après, on a encore pas un boss. Hein. Quand on va arriver à un boss, hein, ça va moins faire le fier. Ouais. Je préfère quand même cette carte, moi, je trouve. On peut aller sur la gauche là. Gain de niveau. Provision. Ah, mais on n'est pas obligé de rester appuyé sur Tab en fait, on fait Tab une fois. D'accord. Oui, t'es parti bien où, Essios? Moi je sais pas, il y avait un autre chemin à gauche là. Nous on est parti vers le sud. Enfin, le... Ouais, j'ai vu. On dirait le sud. C'est. Il y a une fin chez vous, je crois aussi. Ouais. C'est un cul-de-sac chez vous, moi c'est la suite. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on nous est passé dans le cul-de-sac en fait, tout simplement. J'avais pas vu, en du fait, coup, tu loupes un coffre. Ouais, mais j'ai pas vu. Ah, bah ça m'a. En fait, ça m'a drop le truc du coffre sur moi. Ah, t'as eu quoi du coup? Une arbalète. Une armure? Ah oui. Ah oui, c'est écrit dessus. Moi j'ai une armure. Non, attendez. Je fais demi-tour. Oh, j'ai une armure de spéologue. Ah, tu l'avais pas? Non. Traînée de feu, explorateur. J'arrive, je ramasse les émeraudes. Chaque centaine de blocs explorés sur la carte permet de récupérer un peu de santé. 7 dégâts de feu par seconde, bah go. Comment tu fais le feu? C'est mon armure, c'est une amélioration. Quand je dash, ça fait ça. Ouais, je suis venu ramasser les émeraudes qu'il y avait dans le coffre.
provisions. Je me tépais. Vous ? Bonjour. Comment ça va ? Bonjour. Ça va, je pète le feu. Est-ce que je peux ? Non, je peux pas brûler dans ton feu. Je viens de tester. Pas de TK. Écoute, je pète le feu après. Littéralement, ouais. J'ai fait la blague une fois, mais personne n'a écouté. Deux fois, ouais, du coup, c'était pour voir si ouais, ça allait, mais non. Je vous ai attendu, du coup, ici, parce que j'ai vu que c'était un deuxième passage. Attendez, il y a un passage. Monde, hein. Comment on fait pour monter? Sur le si, un peu... Hop. Attention TNT, j'ai lancé sur Vec, ouais. Ah, il y a le passage. Nouveau objectif, activer les balises. Ça, on va les baliser. Ah, il y a une balise là. J'ai ramassé une potion, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'en ai une là aussi. Mais il est mort où? Ça, regarde sur la map, c'est marqué. J'y arrive, hein. Je suis en train de clean un petit peu autour de lui parce que c'est un peu la fête chez lui. Mais du coup, ça fait spawner des monstres quand. Oui. Bah, c'est la nuit, ouais, je pense, du coup. Mission string. Ah là là. Table entre. Décidément, hein, c'est string. Le TK. Vous aussi, vous avez trouvé le temple et en dessous, c'est écrit. Qu'ils ont trouvé le texte. Ah non. Moi, j'ai eu. Bah, en anglais, du coup, missing string table entrée. Ah, pas mal ça. Tu es où, moi? Là. Ah oui, missing string table entrée. Je l'ai pas. Je l'ai. En haut à droite. Non, je l'ai pas. Alors vous ouvrez votre inventaire? Non. Non, non, je l'ai pas. Non, non. Trouvez le temple éloigné. Ah, bah nous c'est... Ah mais c'est peut-être votre lieu qui s'appelle Missing String qui appelle pas le... Ah bah non, non, c'est quand même bizarre que ça fait qu'il trouve pas le texte là, c'est toujours dans... le cas ou pas? Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah pas moi, ouais, donc c'est bizarre, ouais. Essayez de nous foutre en fausse, c'est ça? Non. C'est juste quand je dash. Mais il faudrait un dash où du coup ça te ralentit pas juste après. Mais t'as une armure ou c'est le cas? Oh, j'ai jeté une TNT au milieu, éloignez-vous. Ah, c'était ça. C'était moi ça, c'était pas moi la deuxième. Je le heal, t'inquiète. Ah mais ça heal plus vite en fait. Ah. Non, ça me heal pas aussi tôt, c'est juste que je suis heal aussitôt après. C'était quoi, pardon? Je suis heal aussitôt après. D'accord. Non mais j'avais l'impression que ça te reset plus vite, pardon. Attention, j'étais la TNT, je croyais que j'avais là. Quoi? Ouais. Trop mal. Attends, je vais... On défonce la tête de tous ces... Ouais. Tu le cochon! Tu es ce cochon! Vous avez ramassé arbalète. Waouh! Armure mercenaire. Ouh! Arc-piège. Tiens, bouffe! Ah, c'est pas fait soit le balancer. Ouais, j'ai vu. Absolument rien ici. D'accord, très bien. Passe rien? Passe rien. D'accord, très bien. C'est par là-bas qu'il faut aller. C'est par Oisure, c'est par ici. Tout le monde se jette dessus. Oh tiens, prends. Bon ça c'est... J'aime bien les dagues, enfin les trucs qui sont les dagues. Ah, j'ai trouvé un temple avec une clé. Ça tape vite toi les dagues. Ah, j'ai trouvé la clé. Ah, mais en fait, il y a plusieurs clés, je crois. Il faut trouver une clé pour avancer. Ah, ouais, d'accord.
Évidemment, il spam. Non, non. Mais clairement, le jeu, je trouve cool à faire. Mais toi, plutôt à faire en plusieurs, du coup. Ouais, enfin, tout seul. Ouais, parce que là, seul, ça... peut-être ça manquerait de fun. Bataille de l'arène. Oh, comment t'as déclenché ça? Bah, on s'est approché de la zone. Ouais! Je chope la clé! Bien joué à toi. Bien joué à toi pour cette clé. Jeunes. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Le truc, faut pas rester dedans, je suppose. Ah si, ça te régène! Oh merde! Je pensais que ça me suivait, mais en fait, c'est un truc qui pose une zone au sol, quoi. On peut même pas détruire le décor avec la TNT, c'est un peu triste par contre. Ouais, mais t'imagines sinon le bordel que ça ferait? Oh le gain de niveau qui m'a totalement sauvé, c'est que j'étais en plein dans le... J'ai ouvert la clé dorée. Parce que ça heal les gains de niveau? Bah ça doit faire plus une vie ou un truc comme ça toi. Du coup ça m'a sauvé pile poil. Je ne savais pas. Bien, bouffe! On tape tout le monde, on sait même plus qui c'est qu'on doit taper du coup. Y'a plus rien d'autre ici? Non. Non, maintenant faut déverrouiller la clé. Enfin, faut déverrouiller le. Là, tu vois, y'a deux petits passages, je sais pas à quoi ils servent. Rien. Ouais, mais si tu regardes sur la map, y'a rien derrière, donc c'est juste pour la déco. C'est juste déco en fait. C'est juste pour faire un cube dans le jeu. Ils ont dit qu'il y avait des trucs cachés quand même dans le jeu, donc. Je pense qu'il y a plein de petits passages secrets qu'il faut réussir à ouvrir, je pense. Ouais, je pense que c'est juste pour faire en sorte que ce soit pas un cube, quoi. Il y a moyen de rusher, ils disent, mais si vous faites gaffe, il y a plein de petits détails. Ah, mais la clé, elle est revenue. Elle est où la clé? Bah, elle est revenue où c'était. Personne l'a récupérée. Hein? Je sais pas, moi ça ressemble à quoi? J'ai jamais vu à quoi ressemblait la clé. T'as le mec qui rush et tout pour pas qu'on la récupère. Moi j'aimerais bien voir, attendez. D'accord. Bah, super. Ah, donc j'ai ramassé la bleue tout à l'heure en fait, d'accord. Ah, c'était toi alors? Ouais, d'accord. Je croyais que c'était une note de musique en fait. Ça ressemble mais à une je note remarque de musique, que t'as dit attendez, que Seb du coup il attend pas du tout, il rush. Ouais, ouais. Seb ça va partir en kick hein, la prochaine fois. Hein. Attendez, j'ai de quoi faire un. Bon, y'a pas assez de monde. Non, non, on a tous dégommé avec des flèches à distance. Tiens! Ah, c'est tombé, je crois. Ah, ça fait quelques dégâts quand tout de même. On peut tomber dans le truc ou quoi? Ah. Pas essayer quand même. Le truc Stéphanor qui me suivait, c'était un e-ledger. Pas bien. Non. Vous me dites hein, si un jour vous avez besoin de heal. T'arrives pas, je crois qu'on a le même, même plus ou moins stuff et ça aussi. Ouais, mais des fois que c'est pas fini de recharger quoi. Attendez, je pense que c'est là à la fin, faut partir de l'autre côté. Attends, il suffit d'ouvrir la carte. Ah, il y a deux endroits, on sait pas. Hein. Ouais, mais logiquement, t'avances pour. Enfin, tu m'entends pour avancer. Moi, je découvre les endroits de carte qu'on a. Ouais, c'est la fin. Là. C'est la fin à droite ou à gauche? Non, là où je suis, c'est pas la fin, c'est la. Ah, on a raté des mobs ici. Je suis mort. Quoi? Et il a rushé, au secours. Je crois que tu prends pas de dégâts quand tu réanimes, mais je suis pas sûr. Je suis totalement, je me suis fait défoncer une fois quand je réanimais. Tac! Tac, là, ils bouffent dans leur figure ceux-là. Je suis bloqué. Je peux plus bouger. Ah ouais, c'était juste un coffre ici. Oh! Monique! Vous avez armure de mercenaire. Arbalète du tueur. Alors. Moi, je regarde le stuff à la toute fin du coup. Je vous attends là-bas. Bah, t'en gardes une tranche. Enfin. Hop! Bah, je vous attends donc de toute façon. Donne une petite chance de dévier des projectiles. Réduit le temps de recharge entre les utilisations de vos artefacts. C'est quoi un artefact? C'est ça? Les trucs en bas? C'est les trucs 1, 2, 3. Hmm. Ah, du coup, j'ai enchanté un item jusqu'au grade numéro 3. Ça augmente pas la résistance de enchanter les trucs, d'accord, je savais pas ça. Dommage.
Du coup, j'ai trop cyclé. Pourquoi oh, j'ai une chauve-souris qui me suit J'ai une chauve-souris qui me suit par contre. T'as mis le truc du mineur, non? Ah, c'est ça du coup. Ah oui, vous donne une chauve-souris. Oh là là. Quelqu'un fait spawn un méchant. Mais il a fait spawn le... Vous l'avez spawn le boss, c'était pas là. Au secours. Super. Juste déçu en fait. C'était pas un boss, c'était un boss. Ah, c'était pas un boss, ok. J'ai l'impression d'être plus lent quand même avec cette armure. Pas grave. Oh là là! Faut cliquer, faut cliquer! Oh, kaboum! Kaboum! Nouvel événement, porte ouverte, cake. Ah, on fait une porte ouverte. Attendez, y a, on a, y a des trucs à explorer sur les côtés. Ouais. Mais on veut pas y aller. Ah, c'est par là. Y'a rien en fait de ce côté, ouais. Non, mais je sais pas, tant qu'à faire, t'as des trucs donc autant essayer d'explorer. Non, ouais, ouais, ouais. Non, mais je crois qu'il y a rien de notre côté, ou alors c'est que ça doit être un truc caché. Ou alors c'est peut-être des trucs qui étaient même map, mais qui se débloquent avec. Genre en difficulté experte, toi, des petits trucs à la con, je sais pas. Peut-être. Ah oui, c'était la fin, c'est ça. Vous avez trouvé l'ancien temple du désert. Je suis entré dans le temple. Quel trésor et vérité vous y attendent. Je peux pas, moi. J'ai marché dedans, en fait. Bah bravo. Et bah voilà, c'est la fin. Waouh. C'était un peu plus court, ce donjon. Impossible de se connecter au service Minecraft Dungeon. Veuillez réessayer plus tard. La connexion à l'autre a échoué. Bravo, Mojang. Ah, ça a coupé. Bravo, bravo. Yes. Oh là là. Je pense qu'on va arrêter sur ici pour cet épisode, du coup. On n'aura pas eu le coffre de fin, malheureusement. C'est dommage, on s'est fait arnaquer un coffre. C'est la flemme. Mais bon, c'est pas grave. C'est le début du jeu, hein, ça arrive, les erreurs serveur. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et à la prochaine. Yes.